Bon, salut à tous. Alors, une petite vidéo, je vais tester. Alors, j'espère que ça va marcher. J'ai acheté des petites clés USB comme ça. Hop, à souder. Voilà, voici. Donc, le but, je vais vous expliquer. J'espère que ça va marcher, hein. Could cry, but I won't. Follow me, she said, as she started to run. And I watched on as the rain came down. Pas de souci, j'avais cette guirlande électrique, donc j'ai coupé le fil, et si en fait je me suis rendu compte, si on regarde bien, hop, vous voyez 4, juste ici 4,5 volts, et donc c'est le voltage qu'il y a dans les prises USB. Donc ce que je vais faire, et ben je vais dénuder ce bout là. Et du coup, il va falloir que je repère les plots, quel plot est le plus et le moins. Je sais que c'est les deux extrémités. Et pour pas faire de bêtises, je vais tester sur une batterie externe. Donc ça, c'est mon ancienne, elle fonctionne encore. Mais voilà, je me suis dit, on sait jamais, s'il y a un faux contact, et ben au moins c'est la batterie qui sera morte et pas toute mon installation. Donc je vais dénuder ça, je vais souder ça. Et puis je vous reprends ensuite. Pareil, je viens de me faire une plaque et franchement elle est magnifique. Je sais pas si si on va le voir, mais elle est vraiment parfaite, super bien faite. Moi je travaillais dans les plaques d'immatriculation avant. J'ai juste mis un coup de cutter pour vraiment retirer le surplus du film qu'il y a derrière, mais elle est vraiment pas mal avec ben, voilà, ma région d'origine, le logo France, ma région actuelle avec le département 49, et puis voilà, avec le nom de la chaîne. Donc je vais peut-être mettre ça hop, juste là, là à la place de l'étoile, peut-être, je sais pas encore vraiment. Ça ferait ça ferait un truc comme ça, ça pourrait faire pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, eh ben dites-le en commentaire, parce que je pourrais voir si on peut faire quelque chose avec ce fournisseur-là, parce que je trouve que c'est bien sympa, et voilà, c'est fabriqué en France, et quand il y a une entreprise qui marche bien et qui fait des bons produits, bah, je trouve que ça vaut le coup de le dire. Donc voilà, donc bah, si ça vous intéresse, dites-le moi, et puis je les contacterai. Là, cette commande-là, j'ai juste faite comme ça pour moi. Ils savent même pas qui je suis ni quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment un test que j'ai fait. Et voilà. Donc là, je vais dénuder tout ça et puis bah, je vous reprends ensuite. Bon, voilà, c'est dénudé. Donc les deux bouts sont là. Donc là, je branche dans la batterie et du coup, on va tester. Donc, vous voyez, il y a un fil qui est légèrement marqué là, avec des petits carrés. Donc là, je le mets à droite pour voir et l'autre à gauche. Et ben voilà, vous voyez, ça fonctionne. Bon, ben on va brancher ça et puis ben, du coup, ça va me faire une guirlande en port USB. Donc voilà, donc regardez bien quand vous achetez bah, des guirlandes. Ça, c'est une guirlande de Noël que j'avais acheté de souvenir à Jiffy. Et bah, regardez bien leur alimentation. Et si c'est un transfo qui fait du 4,5 volts, et bah, sachez que voilà, si vous soudez un petit peu, hop, mon fer, voilà, le petit fer qui est juste là, là, et ben bah, je vais prendre mon étain. Attendez, hop là. Voilà, clac, clac, j'espère que ça va là. Je vais prendre mon étain et puis bah, je vais souder ça là-dessus correctement. Voilà.
Du coup, j'ai dit le marqué à gauche et l'autre à droite. Donc, on va débrancher ça. Et puis, bah, on va essayer de faire ça correctement. Je revérifie le sens. Vous voyez, j'ai un doute. Donc là, le marqué est à gauche. Donc, il va à droite. Voilà. Celui qui est marqué va à droite. Du coup, ok. Bon, allez, je soude ça et je vous reprends ensuite. Alors voilà, c'est soudé. Donc on va mettre ça. Alors ça se remet comment ensuite? D'accord, ça vient là. Alors je vais essayer de replier les deux petites pattes. Quoique non, ça doit faire buter avec l'autre. Est-ce qu'il y a une partie mâle, une partie femelle? Alors je vous mettrai, ouais, voilà. Je vous mettrai bah, les liens de ça aussi dans. Je vous mettrai une guirlande similaire dans la description et puis les liens de ce truc. Mais voilà, donc normalement, si j'allume, magie. Voilà. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui s'en rappellent, bah, j'avais laissé un port USB derrière. Donc, du coup, bah, je vais peut-être faire courir la guirlande ici. Et puis peut-être aussi dans la capucine, ça pourrait faire sympa. Ou ça peut servir aussi, bah, vous voyez, via une batterie externe, en guirlande extérieure, ça peut être pas mal aussi de la garder plutôt que de l'accrocher fixée dans la capucine en haut. Et ben, ça peut être aussi étendu dehors, ça peut être pas mal au-dessus d'une table. Donc voilà, une guirlande qui va consommer pas grand chose et qui m'a coûté pas grand chose parce que ça doit coûter une dizaine d'euros. Et puis ça, franchement, je sais plus du tout le prix, mais c'est vraiment pas onéreux. Et vous voyez qu'en quelques minutes, eh ben, ça se fait et ça vous a presque rien coûté. Il suffit juste d'avoir un petit fer à souder, hop, comme celui-ci. Et puis bah là, je l'ai mis sur l'énergie solaire. J'ai mis ça sur le convertisseur et puis j'ai soudé ça tranquille. Voilà, donc la prochaine vidéo qui arrive, c'est sur la trottinette. Je vous ai préparé ça, il me reste quelques petits plans à faire au drone. Maintenant qu'on n'est plus confiné, on peut utiliser le drone parce qu'en confinement, on ne pouvait pas utiliser le drone, c'était totalement interdit. Donc je vais pouvoir le ressortir et puis ben, le faire voler et vous terminer les petits plans. Allez, je vous dis à bientôt. Bon courage, portez-vous bien. Salut. Je vous reprends vite fait. Alors, parce que c'est vrai que voilà, j'ai fait ça. Alors peut-être que oui, une guirlande comme ça en USB, ça existe. Après, moi, je n'en ai pas trouvé en LED comme ça. J'ai des rubans LED, oui, il y en a. Voilà, comme on trouve d'habitude, hein, sur la longueur. Mais des petites comme ça, non, j'en ai pas trouvé. Et puis pareil, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de ce petit phare qui avait l'air bien. Et ben là, il fonctionne plus. Donc j'avais payé une vingtaine d'euros, 20 et quelques euros. Et ben du coup, je fais le retour Amazon. Voilà, normalement, j'ai retiré les piles, mais ça fonctionne plus du tout. Donc voilà, c'était trop beau. Donc bah, je vais essayer d'en retrouver un autre et avec batterie intégrée. Parce que là, bon, j'avais pas vu que c'était avec pile. Bon, ça c'est pas encore trop grave. Mais du coup, ouais, voilà, c'est dommage. Could cry.